Bonjour les amis, ici je vais vous montrer un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui vous explique énormément de choses sur le plan du développement personnel. Alors là, cette figure, il y a par exemple un nouveau message, c'est-à-dire vous avez envoyé un message à n'importe qui. Un prospect, un client, un ami. N'importe, peu importe, vous êtes sur YouTube, normalement vous devez savoir ça. Vous devez avoir un objectif, c'est normal. Donc, cet engagement, on va l'oublier pour le moment, on va parler seulement de messages. Et il y a ces flèches-là qui vont vous montrer le cheminement de point à point. Donc, alors, vous avez un message, vous l'envoyez par-ci, un contact. Pas un contact. On va imaginer quatre contacts. Quatre contacts, ils vont être. Les quatre contacts vont être. Voilà. Les quatre contacts vont être contactés. Ok. Voilà. Ils vont être contactés. Et puis, le premier contact, vous savez, si vous n'avez pas un bon produit, si vous n'avez pas une bonne idée, si vous n'avez pas un très bon contenu, quelque chose qui retient l'attention des gens, c'est-à-dire que ces quatre-là, ils représentent un maximum auquel vous envoyez votre message, soit par publicité, sur Facebook, sur YouTube ou sur tout autre réseau social, ou bien vous allez l'envoyer par email si vous avez déjà du trafic dans votre liste email. Donc nous allons seulement nous limiter aux quatre, et puis vous pouvez imaginer ça autrement, parce que bon, on peut bien entendu toucher 1000 personnes, 2000, 50 000, peu importe. Alors, les quatre contacts, vous êtes obligé de les relancer. De les relancer, bien sûr, parce que le premier contact, vous ne pouvez rien leur proposer ni leur vendre. Qu'on soit d'accord. Ok? Alors, vous êtes obligé de m'envoyer un premier appel. Vous les relancez une première fois. Ça, c'est le premier contact. Ça, c'est un rappel. C'est une première relance. Et normalement, bon, les cadres vont recevoir le deuxième. Certainement, il va y avoir des déperditions. Il va y avoir moins de gens qui vont s'intéresser à votre message. Ce qui veut dire, il va y avoir moins de gens. En supposant que vous avez perdu un seul élément. Au lieu de quatre, il ne vous reste que trois. OK? Puis vous êtes obligé de relancer encore, parce que votre rôle principal, c'est de retenir le maximum de gens. Donc au niveau du contenu, il faut quand même être assez perspicace, assez convaincant. Voilà. Vous envoyez encore un deuxième. Mais la règle générale, c'est que on ne peut pas retenir tout le monde. Si on arrive à retenir, par exemple, entre deux actions le même nombre, c'est qu'on est très très fort. Donc autant envoyer au premier contact directement, envoyer l'essentiel, votre page de vente, et puis vous leur vendez si vous êtes capable de le faire. Mais ce n'est pas le cas, parce que chaque fois, vous perdez une partie. Donc vous n'allez plus avoir affaire à 4-3 personnes. Mais seulement, vous n'allez plus avoir affaire à trois personnes, mais de perdition oblige, vous allez perdre encore un contact. Et encore, il faut envoyer. Normalement, moi je me suis limité à un contact plus deux relances, et puis il y a la confiance. Mais bon, 4, puis 3, puis 2, et puis finalement, normalement, il doit y avoir beaucoup plus d'étapes ici. Il faut même arriver. Je connais quelqu'un qui a parlé de 120 essais comme ça.
pour retenir le maximum de clientèle, ok, pour son annonceur. Donc, deuxième rappel, vous allez encore perdre et on va dire, soi-disant, on va conserver un seul contact. C'est lui qui va nous faire confiance et puis il va s'engager. Là, je reviens à l'engagement. Vous voyez, on part du nouveau message, un nouveau message, premier contact, un rappel, un deuxième rappel, peut-être plusieurs, et on arrive au stade de la confiance. Et c'est les gens qui ont confiance qui vont s'engager, ils vont acheter, ils vont être avec vous, ils vont faire tout ce que vous leur avez demandé. Mais ça ne s'arrête pas seulement là, puisque vous avez encore un autre produit ou une amélioration ou autre chose qu'il faut ajouter au premier produit, des trucs complémentaires comme ça. Et puis, vous allez encore envoyer à vos contacts que vous avez dans votre liste, ou bien encore une promotion, ou bien encore autre truc pour ramener les gens. Bon, il faut encore d'autres valeurs, d'autres machins pour convaincre les gens. Et bon, supposons que vous arrivez avec encore 4 personnes. Mais entre la première opération et la deuxième opération, vous n'avez plus que 4 personnes, vous avez 8. Donc, quelque part, vous avez augmenté quand même votre nombre de contacts. Et ça, c'est très très bien. Et puis, bon, quand vous allez avoir encore une déperdition, supposons que vous faites exactement la même chose. Bon, vous n'allez concevoir retenir que 3, et puis que vous n'allez retenir après la deuxième relance que 2, et puis vous n'allez retenir qu'une seule personne. Ce qui veut dire que dans les 2 opérations que vous avez faites, vous avez maintenant 8. Puis c'est 6, puis bon, il y a des prédictions, mais vous avez quand même deux qui vous font confiance. Ce qui veut dire que vous doublez quand même votre chiffre d'affaires, puisqu'ils vont, ils vont acheter, ils vont faire bon, ce que vous leur demandez. Et rebelote, premier contact, premier message, 4, 3, 2. Et 1, et vous triplez votre chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est que la roue ne s'arrête pas et continue à tourner. Et encore, après des engagements, il y a à nouveau une nouvelle opération. Il ne faut pas seulement faire après un engagement et aller dormir sur ses 2 oreilles, parce que vous allez tout de suite tomber dans l'oubliette et on va vous oublier. Vous allez redevenir pauvre comme jamais avant. Donc, alors, la même chose, vous allez contacter 4, mais en même temps, vous allez contacter l'ensemble de tous ceux qui sont dans votre liste, puis vous allez encore contacter d'autres. Enfin, vous allez perdre des éléments entre le premier contact et le deuxième, etc., etc. Et voilà, vous êtes 4 fois beaucoup plus à l'aise que la première fois où vous n'en avez qu'une seule personne. Mais bon, pour vous dire la vérité, c'est que normalement, quand vous vous lancez dans les affaires ou bien dans n'importe quelle opération, si vous touchez par exemple 100 personnes, soi-disant, supposons que vous avez 100 personnes, en règle générale, les 100 personnes, et vous passez par le maximum d'étapes que vous voulez, là où la confiance s'installe, ça ne touche que 3 personnes sur 100. La vérité. Là, j'ai essayé d'être plus simple pour que j'explique, mais normalement, c'est 3% de
du trafic que vous avez touché tout à fait au début, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés par votre produit, ou bien que c'est votre produit ne mérite pas d'être, de s'engager tout de suite. Supposons que, par exemple, pour quelqu'un qui veut acheter une maison, que vous êtes un agent immobilier, il faut que votre contact ait de l'argent pour justement pour s'engager. C'est pas évident, c'est un projet de longue à long terme, peut-être sur 5 ans, sur 10 ans, donc il va pas réagir, peut-être après 10 ans il va réagir, mais c'est pas sur le coup. Voilà. Donc voilà, c'est l'explication de comment. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Normalement, on passe par une liste email, si on en a. On passe par les réseaux sociaux, à savoir YouTube, à savoir Facebook, Messenger, à savoir LinkedIn, Pinterest, Twitter, à savoir aussi Instagram, WhatsApp et peut-être d'autres. Pour pouvoir être un peu partout, ou bien à travers des forums, ou bien à travers des groupes Facebook, ou bien à travers des sites, etc., etc. C'est-à-dire que les opérations ne sont pas aussi simples. C'est-à-dire que vous n'envoyez pas seulement un truc et puis c'est tout. Non, non, il faut envoyer plusieurs trucs sur plusieurs plateformes et c'est pas évident. Et pour arriver à intéresser les gens, ben, il faut que vous sachiez que vous soyez déjà dans le marketing pour savoir comment il faut faire pour avoir ces gens-là. Ben, il faut avoir un objectif précis, il faut avoir une niche précise, ou bien mieux encore, une sous-niche précise. Je parle par exemple dans le cas des voitures. Ben, si vous vendez des voitures, eh bien, vous ne pouvez pas vendre toutes les voitures du monde, ou bien toutes les marques d'une seule marque. Non. Vous voulez, par exemple, vendre Volkswagen. Volkswagen, ce n'est pas une seule voiture, c'est plusieurs voitures. Donc, au lieu de prendre toutes les voitures de Volkswagen, il vaut mieux prendre une seule, et puis travailler dessus. Mais mieux encore, mais il faut quand même se spécialiser dans quelque chose où il n'y a pas beaucoup de concurrents. Si Volkswagen, une seule marque de Volkswagen, engage beaucoup de monde pour la vendre, là, bon, vous allez peut-être parler de coussins en cuir, ou bien d'enjoliveurs, par exemple. Tiens, ça, c'est une sous-niche. Donc, les enjoliveurs pour Volkswagen, déjà, ils sont plusieurs. Et il faut aller vers un truc beaucoup plus précis, beaucoup plus précis, pour que ça soit vraiment un seul truc clair et net. Exemple, c'est un exemple que je donne tous les jours. C'est quelqu'un qui a trouvé une sous-niche extraordinaire. C'est une niche dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous savez que dans l'habillement, par exemple, il y a des niches où on ne vend rien que des vêtements pour les gens qui sont très grands. Donc, moi, toi et toi et les autres, tout le monde, la plupart, on n'a pas accès, ça ne nous intéresse pas. Des pantalons de 1m50, c'est pas très grand, on ne peut pas les acheter chez eux. Donc, nous, on passe à côté, on évite, on ne regarde même pas, ça ne nous concerne pas. Mais ça concerne les grands. Mais bon, même les grands chez les grands, ben, ils ont des préférences entre les habits. Par exemple, est-ce que c'est du tweed, est-ce que c'est du tergal, est-ce que c'est... J'ai aucune idée, vous savez, dans tout ce qui est habillement, il y a beaucoup de... Mais il y a un gars qui a fait un choix extraordinaire. Vraiment, il faut aller chercher ça, mais d'une façon vraiment très très... C'est de l'insolite. C'est quelqu'un qui a cherché à vendre des jeans, déjà, des jeans et les autres pantalons. Mais il a choisi de vendre les jeans pour hommes, pas pour les femmes.
Donc, il a choisi le sexe. Par exemple, le djinn et le sexe. Et puis, il a choisi la couleur. Il a choisi la couleur rouge. C'est très rare. Déjà, il est sur les djinns. Rouge pour hommes, mais des hommes très grands. Ben, imaginez que vous pouvez dire, celui-là ne va pas trouver des clients. Pas du tout, parce que quand il a envoyé ça sur Google, son site et tout ça, il a fait sa petite opération promotionnelle. À travers le monde, il y a des millions de gens qui sont très grands. Il y a des moitiés de millions de gens qui aiment les jeans. Il y a le quart des millions de gens qui aiment des jeans, enfin, qui sont hommes. Il y a des millions de gens qui aiment des, c'est pas moi. Bon, s'ils arrivent à vendre 100 000 jeans rouges pour hommes très grands, ben, il a fait son affaire. Et ça marche. Vous voyez, c'est ça la sous-niche. Donc, il faut vous spécialiser. Et rien que ça, bon, ça, c'est pas le truc, le dernier truc là, parce que bon, c'est quand même, il faut choisir son positionnement, parce que bon, supposons que vous avez deux marchands de jeans rouges pour hommes grands. Qui se concurrencent comme ça sur le même type de marché, ben, il faut trouver l'astuce, il faut trouver le manque que votre concurrent a pour l'occuper. Si vous occupez les trous qui sont chez vos concurrents, vous marquez un pas. Ça, c'est le positionnement. Je donne un autre exemple. La vache qui rit. La vache qui rit, tout le monde connaît la vache qui rit, et depuis longtemps ça existe, et tous les enfants, quand on était petits, on a mangé de la vache qui rit et tout ça. Et c'était plutôt connu comme un petit fromage pour les enfants. À un moment donné, la vache qui rit a voulu quand même élargir son champ de clientèle et ils ont voulu donner un coup beaucoup plus important pour rehausser encore, gagner beaucoup plus d'argent. Et ils ont dit, bon, puisque les enfants, de toute manière, ils mangent notre fromage, pourquoi pas, c'est un échantillon de clients qui est acquis. Donc, pourquoi on n'élargit pas ça à la famille, c'est-à-dire le père, le grand-père, la grand-mère, et tout ça. Voilà, donc on va faire un très grand coup. Et là, il y avait quelqu'un qui était comme ça, dans l'ombre, que personne ne connaissait. Il a eu une idée, c'est-à-dire qu'il a sorti exactement la même chose que la vache qui rit. Seulement la forme, c'est carré au lieu que ce soit un triangle de la vache qui rit. Et le goût, il n'a pas mis de sel, des trucs, c'est-à-dire que même le goût est différent. Et comment il a pu positionner son truc? C'est extraordinaire. Il a dit dans sa promotion que ce produit qui s'appelle Kiri, donc la vache qui rit, bon, il a volé aussi l'histoire de Kiri à la vache Kiri. Il a écrit avec Kiri. Donc, il vole quelque chose à la vache Kiri. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Kiri, c'est le fromage des gastronomes, c'est-à-dire des gens qui aiment bien manger, qui ont bien des bonnes choses et tout ça. Donc, c'est le fromage des gastronomes à culotte courte. Et à culotte courte, ils désignent exactement les enfants qui sont le noyau normalement de la vache qui rit, et que la vache qui rit croyait que c'était des clients acquis. C'est là où le positionnement a complètement fauché la vache qui rit, et automatiquement, Kiri, en commençant avec ça,
ils ont chopé la moitié au moins de la clientèle de la vache qui rit, qui étaient des enfants. Vous voyez, ça, c'est le positionnement. Ça, il faut que ça, vous sachiez le faire et tout ça, vous l'introduisiez dans le. Donc, bon, mais pour, bien sûr, ça fait partie d'une stratégie commerciale et tout ça. Il y a aussi, bien entendu, l'argumentaire, ce qu'on appelle le copywriting. Comment vous allez tourner ça en mots magiques qui s'adressent surtout aux émotions, parce que quand on vend quelque chose, c'est aux émotions qu'on parle, mais pas de produits. Il faut que ça fasse vraiment vibrer le prospect. Donc ça, il faut aussi le maîtriser. Et ça prend normalement, il faut faire tout ça. Il y a tellement de trucs comme ça, et il y a des gens qui passent le plus naturellement possible par raconter des histoires. Et les histoires, ça a été toujours dans l'existence des hommes comme quelque chose de fascinant, comme quelque chose de. Parce que bon, quand on raconte une histoire, vous savez, à deux personnes, ils n'imaginent pas exactement la même mise en scène, ni la même configuration, la même. Chacun, il voit la chose à sa façon, c'est-à-dire dans quelque chose qui appartient à son caractère propre que personne ne peut lui donner. Voilà, quand on fait par exemple un film, et ça, on fige la mise en scène, la réalisation. Ben, ça peut être beau, ça peut ne pas être beau, et ainsi de suite. Mais quelque chose qui est raconté, il y a dans la tête des hommes, il y a un metteur en scène, il y a quelqu'un qui fait le décor, quelqu'un qui fait rien que par la magie des mots. Vous voyez? Donc, quand on passe par le storytelling, raconter une histoire, ça, c'est très important aussi. Il y a tellement de choses, et puis pour la page de vente aussi, il faut essayer de capter, bien entendu, l'attention des gens. Il y a des trucs, par exemple, pour arriver à gagner de l'argent avec quelqu'un, avec des prospects. Comment? Bon, quand on les ramène dans la page de vente, on va par exemple, leur raconter beaucoup de choses en copywriting, bien sûr, pour que ça fasse bouger. Il y a un problème chez les gens et que la solution est entre vos mains et que ça ne coûte pas cher. Vous voyez, dans la vente, on parle de la valeur du produit. La valeur du produit, normalement, elle doit être plus grande que le prix qu'on demande aux gens de payer. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que après tout ce qu'on a raconté au prospect, on lui dit que finalement tout ce qu'on va vous donner, lui, il va y croire. Tout ce que ces gens-là vont me donner, c'est beaucoup plus cher normalement que ce que je vais leur payer. C'est ça la vente. Mais comment ils vont le ramener? Ils vont le ramener au début par deux choses. Par le fait que c'est un produit qui est rare. Donc attention, il faut se précipiter pour l'avoir. Et la deuxième, c'est que à minuit, ça termine, c'est l'urgence. La rareté, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et le deuxième truc, c'est que vers minuit, aujourd'hui, dans une semaine, ben, c'est terminé, vous n'allez plus voir cette offre à jamais. Vous voyez? Donc, c'est des trucs comme ça. Ou bien, bon, ils vont vous vendre, par exemple, un très bon produit à 7 euros ou à 17 euros. Donc, c'est vraiment donné. Mais une fois que vous avez payé, vous allez payer 7 ou 17 euros, mais une fois que vous voulez, par exemple, passer directement à l'achat final, ils vont vous dire, attendez, tiens, il y a un truc qui sort. Ils disent, attends,
Parce que nous avons un truc qui est complémentaire et qui va vraiment compléter ce produit. Sans quoi, vous allez bien entendu en profiter de ce produit qui est excellent, mais avec ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ils vont vous mener par des escaliers. Chaque fois, vous allez peut-être payer 7 euros, puis peut-être 25 euros, puis peut-être 47 euros, puis et encore. C'est comme ça que, à la vente, on peut ramasser assez d'argent avec une stratégie de vente étudiée et qu'on met les gens devant le fait accompli. C'est-à-dire, attention, c'est sur cette page. Vous fermez la page, c'est terminé pour vous. Et c'est la vérité. Mais le problème peut surgir sur ce qu'on a. Est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Voilà, c'est ça le grand problème. Mais bon, si on revient, nous, à notre figure là, c'est que, bon, quand je parle de nouveaux messages, vous avez compris maintenant comment ça se passe. Et puis, l'engagement, et puis le fait d'avoir des gens qui sont engagés, c'est des gens qui vous font confiance. Et s'ils vous font confiance, c'est-à-dire que c'est terminé, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont acheter encore chez vous parce que ils vous font confiance. C'est tout. C'est-à-dire, peut-être à la limite, je peux dire qu'ils s'en foutent de ce que vous leur vendez, mais c'est parce que c'est vous, parce qu'ils vous font confiance et ils aiment ce que vous racontez, ils aiment ce que vous présentez et tout et tout. Voilà. C'est-à-dire que bon, ils sont devenus peut-être dans le cercle sur lequel vous pouvez compter tout le temps. Et c'est pour ça que beaucoup de formateurs parlent de, il faut pas avoir beaucoup, beaucoup, regardez par exemple ici, il faut pas avoir des milliers de gens dans son trafic. Mais il faut avoir même un minimum. Si vous arrivez à vendre, c'est pas moi, à 100 personnes par mois et que votre produit est cher, vous pouvez gagner beaucoup plus que quelqu'un qui a des millions de gens. Et puis, le marché, le problème du marché, voilà, c'est un truc qu'il faut que vous sachiez. Si, par exemple, vous êtes dans un créneau où il y a beaucoup d'argent, c'est normal que YouTube, par exemple, vous paye très cher. Même si vous avez une petite liste de gens qui vous font confiance. OK? Alors que si vous racontez n'importe quoi, où il y a des gens qui ne sont pas là pour acheter, c'est seulement pour écouter ce que vous dites. Donc, par exemple, écoutez, par exemple les sites qui sont spécialisés dans les choses dans un créneau des enfants. Les enfants, c'est surtout les parents qui achètent. Donc les enfants, bon, quand vous allez leur raconter votre produit, votre histoire et tout ça, ben, ils n'ont pas l'argent. Ils vont le demander d'abord au père et puis le père ou la mère, est-ce qu'ils vont être d'accord ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais si vous vendez, par exemple, dans le cas, par exemple, le créneau de tout ce qui concerne argent, gagner de l'argent, ça, ben, les gens, ils sont prêts pour débourser. Vous voyez? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour le moment. Je pense que cette roue-là, elle vous a résumé énormément beaucoup de choses que vous regardez, que vous peut-être ne comprenez pas, mais. Voilà, vous avez ça si vous avez aimé, likez, abonnez-vous surtout parce que je suis là pour vous servir. Je vous ai promis de vous partager mon vécu avec vous tout le temps. Je fais une vidéo par jour, alors soyez aussi généreux avec moi et voilà. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt. Merci beaucoup.